Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur le jeu Resident Evil 7. Donc c'est une vidéo découverte bien sûr, qui est sortie aujourd'hui sur Xbox One, donc le vendredi 9 décembre. Donc je connais pas du tout le jeu, je connais pas du tout les Resident Evil, je les ai pas encore fait. On m'a conseillé de les faire en vidéo, en faire surtout. Mais il faut recommencer tout à zéro, le 1 et tout, enfin la suite. Déjà c'est en français, c'est cool. Il y a pas de cassette, je me doute. On va jouer un peu au piano. Ok. Faut le dire que c'est la prochaine fois, j'ai pas trop joué au piano. Ça c'est pas un souci. Alors ici il manque un truc. Il manque un fusible. Ok, tout va bien. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Ok, pour l'instant il y a personne. Bon, je vous vois une porte. Oh putain, j'ai peur. Là je suis dans la salle de bain. Et on a eu ses règles. Il a pas assez de dos. Boîte. Un vélo dans la douche. Déjà quelque chose est attaché ici, dans là. Oh, il y a un corps. Ça ressemble encore. Il n'y a pas assez d'eau. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Il y a une photo. Là ici, munitions. Je mets tout à sa place. J'ai oublié une porte, non c'est bon, donc on va aller. Donc bien sûr, c'est bien sur une démo. Hop là. Il y a un truc par là. En fait dans les jeux d'horreur, j'ai peur qu'il y ait un truc qui arrive derrière. Un scream, je sais pas comment ça s'appelle, ouais je pense que ça doit être ça. Je fais pas beaucoup de jeux d'horreur. Et qu'il y a un personnage qui arrive en courant derrière et qui fait vraiment flipper. C'est pour ça à la base j'aime pas trop les jeux d'horreur. C'est ma phobie, un peu. C'est ça, mais bon. Bonsoir, oh merde j'ai eu peur, mais non c'est mon ombre. Ok. Il y a l'air d'avoir personne pour l'instant, rien du tout. Je peux pas me voir dans le miroir. Ok. Il y a soit l'étage, soit en bas. Alors moi j'ai toujours faim, on va aller dans la cuisine. Je pense qu'on va aller dans la cuisine. Comme j'ai toujours la dalle. Ah, je fouille bien sûr, c'est le but de fouiller. What? Ils ont mis des poubelles dans le four. C'est sérieux? Ah! Oh putain! Ben la vessie, bien sûr! Ah, bon, je peux pas ouvrir! Ah! C'est quoi? Un corbeau, je sais pas quoi! Ah, c'est crade! Ferme! D'accord, on ferme le robinet. Ah, moi, quand c'est marqué appuyer sur A, je le fais. Il débouche. Ça me dit appuyer sur A, je le fais. Hein. Donc je fouille un peu. Donc j'espère que je vais trouver quelque chose. C'est fermé, fermé, ok. Alors. Quoi? Je crois que ça avait bougé. Ah. C'est quoi ce délire? Des morceaux de vache ou je sais pas quoi. Ah, c'est cool. Oh, c'est quoi ça?
Ouais, c'est un faux bébé. Ok. Ok, ici c'est fermé. Attendez, j'ai trouvé un truc tout à l'heure. Merde. Je sais pas comment on fait pour trouver la pince. Là. Ok, utiliser. Combini. J'avais bien voulu l'utiliser, mais je peux pas. Voilà. Ça sert à ça. À ça plutôt. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Une cassette. Youpi. On a gagné la cassette. D'accord, il peut courir, mais sans plus. Du coup, je me tente d'aller là-haut, mais j'ai pas. Il y a une petite lumière. Et des maquins. Ça ne fonctionne pas. Y a rien en fait. Wow. Ouais, ils étaient trop et là ils sont 4. Ils sont sérieux. Moi je me retourne plus. Non, je me retourne plus. J'ai pas confiance. Y'a quelqu'un? Du coup, comme j'ai la cassette, je pense qu'il faut le mettre dedans. C'est tout logique. Hein. J'ai fait le tour, j'ai oublié. Je me pose des questions, c'est sur la porte. Qu'on a vu tout à l'heure, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, et... Ok. Vous? Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, puis... Hé, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a... Oui, il y a pas de soucis. Me tape pas le doublage. Moi non plus. Le nouveau, là, je le sens pas. Encore? Mais c'est quoi ce délire? Genre, on l'a passé dans la télé? Si on doit le virer. Ou il se passe quoi en fait? D'abord on fait un tour à l'intérieur et ensuite on tourne l'intro. Comme d'habitude quoi. Et n'oublie pas de dire le. Ouais, mais je vous laisse passer. T'inquiète. Ce soir dans Sewer Gators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va? Fantastique. A ta place, je rigolerai pas du tout. Parce que je le sens pas du tout. J'ai pas confiance en fait. Ok, on y va. C'est fermé. Laisse-moi faire. Bloqué. C'était bloqué. C'était bloqué. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Tu te prépares jamais. Préparer quoi? Une baraque pourrie, des bruits étranges? Oh, elle est hantée? À ta place, je rigolerai pas du tout, on sait jamais. J'étais présentateur, moi. Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Je veux bien passer avant toi, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi passer. C'est quoi l'histoire, André? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Tu dis que ça fait combien de temps? D'accord, on revient dans la maison, en fait. 3 ans. Ok. Hey, Clancy, filme un peu ça. Non, je pue pas, c'est pas moi. Donc, une famille de pecnos disparaît et... Pas des pecnos, les Baker. Jack c'est et Marguerite Baker. Personne une famille normale, plutôt paisible. Il y a pas mal de rumeurs. J'y ouvre le frigo, je l'ai fait tout à l'heure. Lui a mal tourné, apparemment. Regardez, bon appétit. Merde. Je savais que j'aurais pu mettre mes chaussures neuves. Oh, c'est compréhensible. Eh, je peux pas passer. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon, ça pourra nous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'en dis? Ouais. C'est André? T'es moche. Bah, il est parti par là. André? J'étais en train de le suivre, il est parti. Clancy, tu sais où est passé André? C'est pas drôle. On va pas là-haut. Il y a juste un maquin qui bouge tout seul. Putain, j'y crois pas.
C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec. Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Quincy... Je suis d'accord. Reste près de moi. Oui, ça c'est sûr, je reste auprès de toi. Je peux me faire chier pour toi. Je sais pas où il faut aller, je sais pas s'il faut aller tout droit, on va essayer. Non, je peux pas. À tous les coups, il fallait là. C'était quoi ce truc? T'as entendu? Oui, oui, j'ai entendu aussi. Je vais me mettre derrière toi au cas où si tu te fais agresser. André? Il est où, putain? Bah, je sais pas. Il est parti dans la télé? Non? André, t'es passé où? Putain, mais arrêtez avec les ombres, ça fait peur. What? Pourquoi il va là? Pourquoi il va là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est pas possible, je rêve. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Je suis d'accord. Je suppose qu'il faut des ondes. Je descends, t'inquiète pas. Là, je vois pas le bas. En fait, j'aurais pas dû descendre, en fait, j'ai pas confiance. Passe devant. Je veux un plan de moi. Moi? En train de descendre l'échelle. Donc. Passe devant. Putain. Pas de chance. C'est moi qui dois passer devant en plus. Y'a quelqu'un? Aidez-moi. André, t'es où? Tu vois quelque chose? Y'a quoi en bas? What? André? André? What? C'est quoi ce truc? What? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Donc en gros, on a enregistré, la cassette a été enregistrée, on l'a trouvée. Et à tous les coups, il faut faire le même parcours. En gros, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, il a été par là. Donc on tire, on fait comme lui, dans tous les cas. Et je pense qu'il fallait par là. Mais c'est tout à fait pas drôle. J'ai trouvé la clé. En gros, je peux pas descendre. D'accord, en gros, j'ai trouvé la clé. Pour m'échapper. Mais je sais pas pourquoi, je le sens pas. Je sens pas du tout. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Coucou. Non, non. Non, non. Je rigolais. Je rigolais en fait. Oh putain, je le sens pas. Cours. Cours. Oh putain, la peur, j'ai eu. Arrêtez de me faire peur. Cours. Vite. Allez, la clé. Oh la chair de poule que je viens de voir. Bienvenue dans la famille. Oh my god. What? Ça doit être fini, je pense. Non, c'est pas fini. Dépêche-toi. Derrière toi.
Surprise. Ça te donne pas du tout envie. Bienvenue dans la famille. 2017. Ah, c'est à partir de 2017. Ok. Donc, bah, j'espère que ce jeu vous a plu. Resident Evil, c'était une démo. Moi, je sais pas si je voulais l'acheter ou pas, peut-être. Ça a l'air un bon jeu. J'ai pas fait les autres, j'ai pas fait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, 6. À vous de me le conseiller, j'espère que vous avez déjà joué. Profitez, la démo elle est là sur Xbox One. PS4, je sais pas si elle est encore dispo. Dites-moi dans les commentaires, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et de laisser un max de j'aime. Moi je vous dis à très vite et ciao, bye bye, salut tout le monde.